Salut Moussaillon! Alors je suis super excitée de faire cette vidéo parce que voilà, j'ai reçu un colis et je sais à qui de qui vient le colis puisque ça vient de Johanna. Donc pour vous expliquer très vite, c'est pas du tout un swap, c'est juste que pour Noël on avait envie de s'offrir des cadeaux et on avait envie de voir nos réactions mutuelles. Donc c'est pour ça qu'on se filme. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce colis, comme elle ne sait pas ce que j'ai mis dans le sien. Donc c'est mon premier unboxing, je suis méga excitée, on dirait une gamine. Et c'est parti. Et vous voyez, moi le problème c'est que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout patiente. Alors l'ouverture des cadeaux, je serais prête à me faire mal juste pour ouvrir le machin quoi. Ah, je suis trop excitée. Oh purée. Oh, elle a fait les. Elle l'a fait à la bien là. Ça déborde. Oh putain, je meurs. Ok. Alors, la fameuse guirlande. Alors, en ton honneur, Johanna, je vais la porter autour du cou. Voilà. Et je confirme, ça pique. C'est pas super agréable. Oh, je meurs. Oh, je meurs. Bon, alors. Voilà. Donc, elle m'a mis plein de papillotes. Waouh. Et alors, est-ce qu'il y a. Oh, j'adore! En fait, Johanna, elle dessine ultra bien. Et regardez. C'est trop chou! Oh, c'est trop chou parce qu'elle a mis un mot aussi derrière. Oh, j'adore. Oh non, Joanne. Oh, j'adore. J'adore. Beauty and the Beast. Oh, c'est trop bien fait. Oh non, et tu pouvais pas me faire plus plaisir, c'est impossible. Sleeping Beauty and Snow White. C'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Hello Moussaillon. En espérant que cette petite carte remplie d'amour te fasse plaisir, merci pour tout ton soutien et nos discussions sans fin. Tu es une de mes plus belles rencontres cette année et j'espère que l'on continuera à échanger et qu'on pourra se rencontrer pour continuer nos délires comme un énorme bisou. Love, Joe. Mais avec grand plaisir. On se rencontrera, c'est obligé. Ah, ça me fait tellement plaisir. Oui, toi aussi, Johanna, tu es une de mes plus belles rencontres, définitivement. Je pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi quand je suis arrivée sur BookTube et je t'envoie plein de bisous, merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, je suis désolée pour la luminosité, mais c'est le soir et je pouvais pas attendre avant d'ouvrir. Donc, alors, on a un truc, rien de mieux que de voyager à travers un livre pour découvrir le monde. PS, une LC. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas essayer de deviner les livres parce que j'ai aucune idée de ce qu'elle a pu me prendre. Ah, c'est le numéro 2. Non, en fait, c'est celui-là, le numéro 1, donc je vais commencer par celui-là. À l'abordage Moussaïon, un livre qu'il faut absolument que tu découvres. Oh, elle m'a fait encore un petit marque-page. Oh, mais Johanna, t'es trop douée. C'est avec son logo en plus. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est trop beau. J'adore. Puis alors, le papier que t'as utilisé, franchement, j'adore, j'aime trop. C'est grave beau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Trois vies de mort. C'est quoi ça? Alors. J'ai toujours peur de déchirer. Les trois vies d'Antoine Anarcassis. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais le livre est grave beau par contre. C'est une histoire de pirate! Oh, c'est trop cool! Oh, c'est grave cool! Ah, c'est grave full. Alors là, bah, juste parfait. Et maintenant que je relis le titre, ça me dit vachement quelque chose dans l'univers de la piraterie, tout ça. Donc c'est, je redis, Les trois vies d'Antoine Anarcassis de Alex Cousseau. Donc ça me dit vraiment quelque chose. Et à partir du moment où c'est des pirates, tu pouvais pas te tromper. Merci beaucoup, ça me fait ultra plaisir. Bon, du coup, on va attaquer le deuxième. Donc le fameux pour la lecture commune.
C'est quoi? C'est un album? Qu'est-ce que c'est? Johanna, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'adore. Oh, c'est grave beau. Oh oui. Oh, je les avais déjà vus, ces albums-là. Ils sont trop beaux. J'espère que vous pouvez voir. Désolée pour la luminosité, vraiment. Les quatre vies d'Aya. Oh, il est trop beau, hein. Il est vraiment trop beau. Top. Au top du top. Et j'adore tout... je sais pas si je te l'avais déjà dit, Johanna, mais j'adore tout ce qui est Chine ancienne, etc. Chine ancienne. Chine ancienne. J'adore... Ah ouais, non, franchement... Puis alors, les dessins sont quand même splendides. Hein. Je vais essayer de vous en montrer un et j'espère que vous verrez. Top. Au top, top, top du top. Alors là, merci. Il sent bon. Il sent bon le neuf. Hein, Johanna, je suis ultra... Après, ça pique, hein. Je suis ultra contente. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Je sais pas quoi dire. Je suis encore toute excitée. Merci beaucoup. Moi, j'espère que mon colis te plaira. Alors, je dessine pas du tout bien. Donc, je me suis pas risquée à te faire des dessins. Mais j'espère quand même que mon colis te plaira, pardon. Et ouais, encore merci beaucoup. Et merci à vous qui m'avez regardé en train de déballer mon premier colis, mon premier unboxing. Je vous dis à très bientôt, je vais ranger tout le bazar là. Bye bye.